Salut les gens, j'espère que vous allez bien et on se retrouve aujourd'hui pour une toute nouvelle vidéo. Et oui, ma dernière vidéo, c'était le calendrier de l'Avent spécial magie. Et sans rien vous cacher, ça m'avait demandé beaucoup de travail. C'est la raison pour laquelle derrière, j'avais besoin de faire une petite pause. Du coup, je me suis pris pour moi le mois de janvier, repos, pas de vidéo sur YouTube. Mais voilà, la pause est finie, on est de retour avec le rythme qui revient à nouveau. Et donc aujourd'hui, pour commencer, on va partir sur un tour de magie très facile à faire, un tour de mentalisme vraiment automatique qui se fera avec un spectateur. Vous allez voir, c'est vraiment génial. Bref, comme d'habitude, tout de suite à la démo et ensuite derrière aux explications. C'est parti. Allez, on se retrouve pour la démo et pour ce tour on va avoir besoin d'un jeu de cartes de 52 cartes différentes, de deux prédictions qu'on verra tout à l'heure et d'un spectateur. Vu que je n'ai pas de spectateur, je vais faire le rôle du magicien et du spectateur, mais croyez-moi, lors des phases du spectateur, je ne triche pas, ça se passe vraiment comme ça dans la réalisation du tour. Donc tout d'abord, pour ce faire, on va emprunter un jeu de cartes, donc on pourra emprunter et faire mélanger par le spectateur. Donc là, normalement, c'est le spectateur qui mélange les cartes pour être sûr qu'il n'y ait pas de préparation à l'avance au niveau du jeu. Deux prédictions. Le spectateur va choisir l'une des deux prédictions, vraiment aucun forçage, celle de son choix. Celle qu'il choisira, on la prendra, imaginons qu'on prenne celle-ci. Vraiment, ça sera la prédiction qu'on va retenir et qu'on regardera à la fin du tour. Donc celle-ci, on va la mettre de côté pour les besoins de la routine. On utilisera par exemple celle-ci. Ensuite, le magicien, cette fois, récupère le jeu, il va faire défiler les cartes. Et là, le spectateur l'arrêtera vraiment où il le désire. Vraiment, aucun forçage, je vais en faire défiler, là, j'arrêterai au bout d'un moment. C'est histoire de, pour avoir quelques cartes quand même pour réaliser le tour. Mais vraiment, c'est le spectateur qui s'arrêtera vraiment où il le désire. Alors, on va les faire défiler. On va dire stop ici, hein. Voilà. Comme ceci. Et donc parmi toutes les cartes, hein, le spectateur va récupérer le paquet et mélanger les cartes. Voilà. Au moins, la personne ne peut connaître l'ordre, le classement. Voilà, on le ferait comme le ferait un spectateur même. Hein. Voilà. Voilà. Et ensuite, le spectateur coupera le jeu en deux. Voilà. Par exemple, comme ceci. Voilà. Et au moins... Voilà, on est bien. D'accord? Ensuite, là, ce qui va se passer, c'est qu'on va échanger des cartes. Le spectateur va prendre des cartes. C'est le spectateur toujours qui choisit les cartes, va échanger des cartes d'un paquet à l'autre, vraiment à chaque fois. Par exemple, je lui dis, prends-moi 3 cartes. Alors, il va me prendre 1, 2 et 3, qu'il récupérera. Ensuite, je vais lui dire, prends-moi 2 cartes encore. Il me prendra ces deux-là, par exemple. C'est lui de son choix, vraiment, il n'y a aucun forçage sur ça. Ensuite, je vais lui dire, donne-moi 2 cartes, ou 3 cartes, il va m'en donner 3. Voilà, imaginons ces 3-là. Là, soyons fous, je vais lui dire, prends-moi 4 cartes. Il va m'en prendre 1, 2, 3 et 4. Rien de ces 4-là, on ne sait pas. Donc, vous l'avez compris, en fait, le but, c'est vraiment de faire des échanges et de ne pas savoir où on arrive. Et c'est le spectateur toujours qui fait ça. On s'échange des cartes, vraiment, libre de son choix. C'est un peu le hasard en même temps. Mais à la finalité, on va arriver quelque part, regardez bien. On va s'arrêter là, mais on aurait pu continuer, bien entendu. Hein. On va égaliser. Donc là, on va maintenant regarder la prédiction qu'il a choisie. Le spectateur a choisi cette prédiction. Et cette prédiction, elle le dit. Le magicien aura le même nombre de cartes noires que les cartes rouges du spectateur. On va regarder combien de cartes noires j'ai dans les mains. 1, 2, 3, 4 et 5 cartes noires. Ça serait fou que le spectateur ait également une 2, 3, 4 et 5 cartes rouges. Vraiment. Alors qu'on a réalisé des échanges, que le spectateur a réalisé lui-même des échanges, vraiment, ça complète vraiment la prédiction. Alors que si on regarde cette prédiction, qui est quand même différente, qui disait que le magicien aura une carte de plus noire que les cartes rouges du spectateur. Donc la prédiction, s'il avait choisi celle-ci, ça n'aurait pas fonctionné, alors qu'il a choisi la bonne prédiction au début, qu'après tous ces échanges, ça fonctionne. Vraiment un petit miracle, c'est incompréhensible. Tout peut être donné à l'examen. Que quoi de plus? Allez, on se retrouve pour les explications de ce petit tour vraiment automatique. Vraiment, il n'y a rien à faire, c'est vraiment très simple en fait. Ça fonctionne tout seul, vous allez voir comment. Donc tout d'abord, vous allez avoir besoin d'un jeu de cartes, de 52 cartes différentes, que vous pouvez emprunter si vous le voulez, et de deux prédictions. Donc la première que vous allez faire, donc vous allez écrire tout simplement, le magicien aura le même nombre de cartes noires que les cartes rouges du spectateur. Voilà. Et la deuxième, c'est le magicien aura une carte de plus noire que les cartes rouges du spectateur. Par la suite, sur l'une des deux prédictions, vous allez vous faire un petit repère. Donc moi, sur la prédiction où il y aura une carte noire en plus, vous voyez ici, dans un angle, j'ai fait un petit point.
Voilà, il y a un tout petit point que voilà, c'est vraiment très discret. C'est pour en fait, quand elles sont sur la table, différencier l'une des deux quand le spectateur choisira l'une des deux productions pour connaître sans qu'il le sache quelle prédiction il a choisi. Donc la prédiction de la carte en plus noire, on va la laisser de côté, côté droit pour moi, je le sais, ou dans ma poche, mais voilà, j'ai le petit papier, le petit point qui m'indique que c'est celle-ci et l'autre côté gauche. Comme ceci. Le jeu de cartes qui peut être mélangé par le spectateur, pas de souci, donc on mélange les cartes. Par la suite, ça va être là qu'en fait tout va se jouer dans le déroulement du tour. C'est ici que vous allez pouvoir prendre vos repères. Quand vous allez faire défiler les cartes, comme ceci, vous allez faire défiler les cartes et vous allez compter en fait le nombre de cartes rouges qui vont passer sur la table. Donc le but étant, c'est de faire au début, avant de dire au spectateur tu vas me dire stop quand tu veux, c'est de faire passer au moins minimum 5 cartes rouges. Et ensuite le spectateur pourra vous dire stop. Donc en fait vous expliquez la chose en disant on va faire défiler les cartes comme ceci. Et là vous en profitez pour dire qu'on va faire défiler les cartes pour faire passer 5 cartes rouges. Et ensuite vous lui direz tu peux me dire stop quand tu veux. Une fois que vous êtes sûr et certain que les 5 cartes rouges soient passées. Donc on refait, on dit voilà on va faire défiler des cartes hein, comme ceci. Et là je compte 1, 2, 3, 4, 5. Tu me diras stop quand tu veux. Donc là et à partir de maintenant il va pouvoir vous dire stop. Vous continuez dans votre tête à compter le nombre de cartes rouges que vous faites défiler sur la table. Donc j'en suis à 5, 6, 7, 8, 9. Et là on peut arrêter par exemple, il dit stop ici. Moi je sais que dans ce paquet il y a 9 cartes rouges. D'accord? Donc vous avez qu'un truc à vous retenir, c'est 9 cartes rouges. Vous récupérez le paquet donc des cartes, vous les donnez au spectateur qui peut mélanger. Il mélange les cartes, peu importe, il les mélange comme ceci. Vous lui dites maintenant de couper le jeu en deux paquets. Il coupe. Et voilà. Vous étalez les cartes devant vous. Et là, discrètement, lui fait de même, par exemple. Discrètement, vous allez compter le nombre de cartes que vous avez dans vos mains. Donc ici, 2, 4, 6, 8, 10, 11. En fait, pour que le tour fonctionne, et que pour que la prédiction, celle-ci là, qui correspond en fait au... Le magicien aura le même nombre de cartes noires que les cartes rouges du spectateur. Il faut tout simplement que vous ayez dans les mains 9 cartes qui correspondent aux 9 cartes rouges que vous avez comptées tout à l'heure. Si par exemple tout à l'heure vous avez fait, en faisant passer les cartes, vous étiez arrêté à 10 cartes rouges qui étaient passées, et bien dans vos mains il aurait fallu que vous ayez 10 cartes. Donc pour l'instant ici j'ai 11 cartes, d'accord? C'est pour ça qu'on va jouer à des échanges. Vous allez dire, vous allez vous arranger sous forme de dire tiens, tu vas me prendre une carte, deux cartes, tu vas m'en donner deux, tu vas m'en prendre trois, etc. Vous arrangez à la fin à avoir 9 cartes rouges parce que, bien sûr, quand on a étalé les cartes, on avait compté 9 cartes rouges. Mais ça, le spectateur, il est au courant de rien de tout ça. C'est que vous qui le savez. Donc, imaginez, ici, j'en ai 11. On commence, on dit, ben, tiens, tu vas me prendre deux cartes. Alors, le spectateur, il prend une carte ici, boum. Et là, dans les mêmes, il me reste 2, 4, 6, 8 et 9. En réalité, là, le tour, je peux l'arrêter. Parce que je serai prêt avec la prédiction, vous verrez pourquoi, c'est automatique, c'est comme ça. Mais pour compliquer la chose, on va continuer, on va dire, allez tiens, donne-moi une carte, hop, il en donne une, prends-moi-en une, voilà, on maintient toujours le même classement, le même ordre. Prends-moi-en 3, donc il en prend 3, voilà, et donne-moi-en 3, il en donne 3, voilà. Et ça, on peut le faire à chaque fois indéfiniment. L'essentiel à la fin, c'est que vous vous retrouvez avec le même nombre de cartes que le nombre de cartes rouges que vous avez compté. Ici, à l'occurrence, 9. Vous régalisez le tout. Régalisez le tout, comme ceci. Et là, c'est maintenant, vous retournez la prédiction. Vous la lisez. Le magicien aura le même nombre de cartes noires que les cartes rouges du spectateur. On compte. On a 1, 2, 3, 4 et 5 cartes noires. Et le spectateur, ça serait fou, mais c'est le cas. 1, 2, 2, 3, 4 et 5. On a bien le même nombre. 5 cartes noires et 5 cartes rouges. Alors voilà, ça marche tout seul. Il vous suffit de suivre vraiment les étapes que je viens de vous expliquer. Et ça fonctionnera toujours avec cette prédiction. Et donc, pour cette prédiction, qui est le magicien aura une carte de plus noire que les cartes rouges du spectateur, en fait, c'est la même chose que ce qu'on vient de faire là. Sauf que là, quand on a compté 9 cartes rouges, et à la fin, donc, il me fallait 9 cartes devant moi. Et bien, pour que ça matche avec cette prédiction-là, il aurait fallu pas avoir 9 cartes, qui est le nombre qui est de cartes rouges, mais une carte en plus. Au lieu d'avoir 9 cartes devant moi, j'en aurais mis 10.
et en mettant 10 cartes, ça aurait fonctionné avec cette prédiction. Donc si vous comprenez bien, avec votre repère au début du tour, vous savez déjà sur quelle prédiction ça va matcher. Si le spectateur choisit celle-ci, grâce à votre petit point, vous savez que c'est la version où il faudra rajouter une carte en plus. S'il choisit celle-ci, ben, ça sera exactement le nombre exact. Donc vraiment c'est très simple, rappelez-vous, au final, ce qu'il faut faire, c'est tout basique. Hein. Vous prenez le jeu de cartes que vous faites mélanger par le spectateur. Imaginons le spectateur choisit cette prédiction-là. Donc là, c'est le nombre exact. Le spectateur, vous faites défiler les cartes. Il vous dira stop quand il veut. Mais le but pour vous, c'est de faire d'abord défiler 5 cartes rouges. 1, 2, 3, 4, 5. Là, on continue par exemple encore si vous n'avez pas arrêté. 6, 7, 8. Hop, il vous dit stop ici à 8. Hop. On arrête, on fait mélanger, on fait deux paquets, on se fait en sorte, donc nous, il nous en faut 8 devant pour que ça fonctionne. Donc là, j'en ai 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 et 15. Donc on va faire en sorte de lui donner des cartes au final en faisant les échanges. Donc on va lui dire, tiens, prends-moi 5 cartes, il en prend 5, 3 ici, 2 ici, 5. Donne-moi-en une, il vous en donne une. Tiens, prends-moi-en 3, hop. Voilà, et normalement maintenant on est bon, si on fait ça, on regarde le tout, et là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 noirs, et là 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 rouges, ça fonctionne. Ça correspond bien à la prédiction. Donc voilà, vraiment, ça fonctionne tout seul. Prenez le temps de revoir la vidéo une seconde fois, même trois fois, pour bien comprendre et assimiler la mécanique. Hein. Ça fonctionne tout seul, ne demandez pas pourquoi. C'est comme ça, c'est le nombre qui fait que, même en faisant n'importe quel échange, ça fonctionnera à chaque fois. Donc, regardez la vidéo plusieurs fois, comprenez la chose, ça marche pour tous les nombres. Il suffit vraiment de compter, de ne pas se tromper, et ça marchera à tous les coups. C'est un super tour de mentalisme, ça marche vraiment tout seul, ça surprendra forcément les spectateurs. Tout est examinable. Franchement, à travailler, vous verrez, vous surprendrez tout le monde. Et voilà, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère au moins qu'elle vous aura plu. En tout cas, n'hésitez pas à me le dire ce que vous en pensez dans les commentaires, hein, je les lis tous, hein, n'oubliez pas. Le pouce bleu qui me permet de référencer mes vidéos et qui m'encourage à continuer mes vidéos, hein, chaque semaine. Également les réseaux sociaux, avec Facebook, Snapchat et Instagram pour me poser des questions. J'y réponds assez vite quand je les vois, hein, voilà, n'hésitez pas. Et sur ce, je vous dis à la semaine prochaine pour une prochaine vidéo. Ciao tout le monde.